Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre mifa se porte bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo, oh là là que je suis heureux de vous annoncer ça. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pas vu encore le thriller parce que certains peut-être sont allés dormir à 10h, peut-être certains sont allés dormir à 9h, donc 21h. Donc forcément vous avez peut-être dû rater le thriller qui est sorti dans les coups de minuit. Il devait sortir normalement tout à l'heure à 15h, mais il y a déjà le thriller sur Rockstar Games, je précise bien sûr. Pour ceux qui vont me dire peut-être c'est un montage, peut-être c'est les fans qui l'ont fait. Juste la première avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour exploser la barre des likes, la partager et vous abonner, parce que là je vous dis, sur la chaîne Gaming Stress, ce qui va se passer c'est qu'il va avoir la sortie de Momo plus la sortie de GTA 6. Maintenant, c'est qui va sortir avant? GTA 6 ou notre petit Mouyou Merde? On verra bien, mais en tout cas, il va y avoir une sacrée doublette sur Rashing Gaming 13. La sortie de mon petit frère, Inch'Allah, avec le petit frère Roussama aussi, le petit frère Giraffe, quand même, faut pas les oublier. Et la sortie de GTA 6, je pense que eux aussi, quand ils vont sortir, hein, ils vont aller sur GTA 6. Hein. C'est là-bas où on va tous habiter, hein, d'accord? Bon, la famille, vidéo assez importante, d'accord? Vous avez peut-être pu voir, hein, tout simplement, des vidéos, des thrillers un peu fake, faits et montés un peu par les fans de GTA. Les gens se sont vraiment inspirés de dingue pour nous faire des faux thriller de GTA depuis des mois. Certains ont fait des dingueries. D'ailleurs, je tombais sur un thriller faux de GTA tout à l'heure. J'ai cru que c'était vrai. J'allais vous le mettre dans cette vidéo, mais bon, alhamdoulilah. J'ai lu un peu les commentaires, j'ai fait traduire et c'est du fake. Je vais donc du coup vous mettre le vrai thriller de Rockstar Games. Je vais vous le mettre juste après. Waouh, il a l'air incroyable, la famille. Là, si on met GTA 5, les possibilités qu'on avait sur GTA 5, et là GTA 6, et non pas les possibilités, parce que pour l'instant on connaît pas encore le jeu, mais juste au visuel de ce qui se passe dans le jeu, vous allez voir, j'ai pas envie de vous dire ce qui va se passer hein, dans le thriller, je préfère vous laisser juste imaginer les trucs vraiment qu'il va pouvoir avoir dans le jeu, parce que vraiment ça a l'air dingue. Le graphisme, là je le vois, il est juste ouf. Les détails sont juste, bref, je vais vous laisser avec le thriller, la famille, juste avant que le thriller commence. J'espère vraiment qu'il sortira dans pas longtemps, parce que vraiment, s'il y a la sortie de mon frère, la sortie de GTA 6 en même temps, on pourra tout casser sur Rashing Gaming 13 comme à l'ancienne. Je vous rappelle encore, à une époque, vous et moi, on faisait sur GTA 5 des 30 000, 34 000, 35 000 spectateurs sur les braquages Casa des Papel, sur Flashland à l'ancienne. Je m'en rappelle, il y avait moi et HyProMX. À l'ancienne, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et bon, j'espère que ce GTA 6 sera une dinguerie. Alors, pour l'instant, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qu'en quoi le jeu sortirait pas en 2024, mais en 2025, donc dans un an. Bon, on a déjà eu un thriller hein, de l'ancien GTA 5, et on avait vu qu'après le thriller, ça avait pratiquement duré un an, voire plus même. Donc, on sait que Rockstar peut nous envoyer un thriller et nous faire sacrément attendre. Ça, on le sait bien. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de sortie, de ce que j'ai vu en tout cas. Ils n'annoncent pas de sortie, même peut-être écrit là, ici. C'est, attendez, je vais faire juste traduire. Il y a un truc ici, c'est écrit. Voilà, GTA 6 qui sortira. Ah, voilà. Découvrez la première bande-annonce de GTA 6 qui sortira en 2025. Donc voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus, vous êtes prévenus, vous êtes prévenus. C'est bon, c'est carré. On va être pratiquement en 2024. GTA 5 sort dans un an. Voilà, c'est bon, bah, c'est écrit. C'est écrit carrément. Et c'est carrément Rockstar Game qui l'a écrit en description. Non, là, je suis sur GameSpot. GameSpot, vous connaissez, c'est un truc de gamer et tout. C'est un truc carré, donc... ils ont 6 millions d'abonnés, GameSpot, 6 millions. Donc voilà, ils ont dit en description que ça sortira en 2025. Et je suis en train de regarder à droite, à gauche. Et a priori, ça sortira en 2025. Voilà, donc déjà, bah, c'est bon, on est averti. Le jeu sortira en 2025. Vous avez largement le temps de mettre les 150 euros de côté. Parce qu'à ce qui paraît, le jeu fera 150 euros. Ça m'étonne pas. Aujourd'hui, les jeux font 80 euros de base. Aujourd'hui, tu vas à Micromania, tu prends... le nouveau Spider-Man que j'ai là, bah 80 balles le jeu. Et je vais le terminer en 15h, 16h grand max avec toutes les quêtes et tout. Voilà la famille, donc voilà. Bref, en tout cas, je vous laisse avec le trailer de GTA. J'espère que vous allez kiffer. Il sortira donc dans un an. Je suis un peu dégoûté, j'aurais bien aimé qu'il sorte en 2024. Mais bon, il sortira dans un an la famille. D'ici là, j'espère qu'on aura tous accompli de bonnes choses. Hein. D'ici là, j'espère qu'on aura tous accompli de bonnes choses d'ici un an. Bref, en tout cas, je vous laisse avec le trailer. Prenez soin de vous et de la Mifa. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous. Petite énigme pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à là. Normalement, Momo sortira avant GTA 6. Pour le coup, on a la date. Momo sortira avant GTA 6. Prenez soin de vous, Dalifa. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Yeah, we were desperate then.
Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust.